Salut les Jardipotes, c'est Marie Jungle. Alors ensemble, on a vu un petit tuto vidéo sur l'arbre végétal japonais qu'on appelle le Kokedama. Kokedama qui est devenu vraiment très célèbre au Japon dans les années 1990 avec cette jolie petite sphère de mousse. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire l'étape numéro 2, comment l'entretenir. Simple, on a besoin de deux Kokedama ou plusieurs Kokedama qui sont secs. Comment savoir s'ils sont secs. C'est simple, il faut juste regarder la sphène. Si la sphène est bien jaune ou bien sèche, c'est que c'est sec. Alors, là, on va venir décrocher mon petit Kokedama. Donc là, j'en ai deux. Simple, on va venir le poser dans un récipient rempli d'eau. Petit à petit, ça va se gorger d'eau. On va peut-être un peu l'aider. Et une fois que c'est fait, on va venir l'enlever de l'eau et avec les mains, on va lui redonner une forme pour qu'elle garde cette petite forme ronde. Hop, on va enlever l'eau qui est en plus. Une fois que c'est fait, on va venir raccrocher. Et le tour est joué. À vous!